attention. Crache, Mimi. Voilà. Voilà. Voilà, rince dans la bouche. Très bien. Alors maintenant, tu vas chercher ton sac. Hein, on n'est pas en avance. On va y aller. C'est dur, dit Madame Millepattes, d'apprendre à marcher à ses enfants. Les premiers pas d'un bébé Millepattes, c'est tout un problème, mais ça prend du temps. Pas de temps. On fait du silence, papa téléphone. Allô? Bonjour Mathilde. Oui? Oh ben dites-lui que je le verrai à notre séance de demain. Mathilde, je perds le réseau. J'arrive vers un tunnel là. On se voit au bureau? Allô? Allô Mathilde, je vous entends plus très bien. Allô? Patte en l'air et patte en bas. Patte, 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 patatra. C'est bien. Vous serez sages, les filles, d'accord? Ce soir, c'est papa qui vient vous chercher parce que maman rentre tard. Tu as ton doudou? Ah oui, il est là. Ce soir, merci. C'est sûr, je serai là à 18h30. Oui, mais pas plus tard. Ça va aller, Mimi? Tu veux que je t'accompagne? Non. Non? Tu me fais un petit bisou quand même? Bonjour Mathilde, quelles sont les nouvelles? Bonjour, j'ai terminé la mise à jour du site web. Voilà la version imprimée. Excellent. Et la réunion de demain est avancée à ce soir. Ce soir? Mais ce soir, quelle heure? Ce soir, 17h30. Ah, je vois. Vous devez récupérer les petites. Eh oui. Je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais je pense que vous devriez vraiment exprimer votre souhait au boss. Mon souhait? Réduire votre temps de travail. Et puis surtout, mettre les réunions le matin. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous retient? Votre égo masculin? Oh, vous êtes dure, Mathilde. Profitez du groupe de travail de ce soir pour en parler. Oui, j'en parlerai. Ce soir, si on a du temps dans les divers de l'ordre du jour. Ah, là, je sens la détermination. Bon, j'en parlerai ce soir. Hein. Bon, moi, ce que j'en dis... Bon. Si quelqu'un me cherche, je suis dans mon bureau. Très bien. Service commercial, Stéphane Galopin. Salut, chérie. Le boulot se passe bien? Oui, les petites sont à la garderie, pas de soucis. Je passerai les chercher à 18h30. Non, je vais y arriver. Le? Oui, elle a son doudou, c'est bon. Et son biberon aussi. Bon, écoute, on m'appelle sur notre ligne, je te laisse. Je t'embrasse. À ce soir. Vous n'êtes pas un peu optimiste avec votre 18h30? Bon, vous êtes gentille, Mathilde, mais tout est sous contrôle. Moi, ce que j'en dis, hein. Vous me signerez ça. Merci. Oh, mince. C'est pour cette raison qu'il me paraît important de revoir notre stratégie de communication. Qu'est-ce qui fait qu'un client vient chez nous? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait qu'un client revient chez nous? Qu'est-ce qui fait la différence avec la clientèle? C'est quoi le petit plus? Le service après-vente? La relation clientèle? Il s'agit de définir les émotions qu'on veut provoquer chez le client. Bon, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe de travail, afin qu'on réfléchisse à notre image. Hein? Stéphane s'occupe déjà du site web. Hein? Eric s'occupe de la campagne d'affichage. Et Boris et moi, on s'attaque à la campagne audiovisuelle. Des questions? Une petite maison dans le sud, une petite merveille avec piscine, tennis, il y avait le club nautique juste à côté. Bon, excuse-moi Philippe, je dois vraiment y aller là. Attends Stéphane, tu nous fais le coup tous les mardis. Bah je sais, mais j'ai un client qui veut me voir. C'est son seul créneau, une super affaire je pense. Tu m'en as jamais parlé? Bah je t'en parlerai. Demain, 8h30? Ouais, demain, 8h30. Salut tout le monde. Jeune client, dis-moi.